haïtien et chinois, bon vacabon, n'a pas l'empile, mon satellite sous tête, nous, il y a peut-être tout ça, n'a dit fait ma carte, si n'a mettez nos travail. Et donc, je pense que même si on débouche son capitalisme d'État en Chine, on capable de l'autre type de capitalisme qui développé à Cuba, côté oui, et investisseurs américains vini, mais c'est surtout intérêt Cuba, l'État Cuba à défendre, pendant que le facilité compétition entre capitalistes de notre pays, et comment pour que bon bourgeoisie cubaine qui émerge, mettez entre guillemets, parce que de toute façon, Cuba a une tradition, ça, une bourgeoisie nationaliste, entrepreneuriale. Si la prête est une dynamique comme ça, mais un espace en Chine, pas privé à Cuba, côté, c'est dirigeants chinois yo, qui ont même vint de grands bonheurs. C'est une association de capitalistes américains, européens, etc. Donc, on voit que pays côté système éducatif la performant, sans l'élection en créativité, on va joindre les dirigeants cubains yo. Même penser que l'intégration capitaliste à Cuba, le retour du capitalisme, la fête est de manière réfléchie, de manière calculée, de manière rapide. Même pas quoi, Cuba va entrer dans la confrontation avec les États-Unis. D'ailleurs, sur l'autre époque, et tout, parce que même la Russie n'a pas l'air, dans les rapports avec la Chine, regardez qu'il y a un capitaliste d'État quelque part, en Russie, parce que ça prouvait que le papa avait l'air de libre, à gros niveau d'auteur, comme ça passe en Chine, et les Kigleurs, en Chine d'ailleurs, et la Chine finalement. Le plan économique, c'est lui-même qui est exécuté sur la création ailleurs, et c'est la Chine qui a raison des avis, c'est pas l'Union soviétique qui est. Même si avec l'arrivée de Donald Trump, on met un peu de sous tout quoi, sans doute, parce qu'il y a raison. Parce que le pays bénéficie de la mondialité, c'est la Chine. Parce que, il fait un décennie 70, on peut dire, comme ça, après, il y a des soldats, ça s'appelle l'ESS, zone d'économie spéciale, c'est une zone de capital, ce qu'on n'a pas une opportunité de droit. Il y a fini qui va couler des acaves et qu'on n'a pas aucune loi. Vous voulez ce que vous voulez faire, donc, c'est ça qui est développé dans les années 70, mais ça, moi, c'est pas arrivé avec la Chine, c'est pas le but. Et avec l'arrivée de Donald Trump, on s'est dit, entreprise, il y a pas de quelqu'un comme j'ai parlé, pour les raisons. Parce que des zones sont appelées des industries. Parce que c'est des ouvriers, c'est des industries que vous vivez. Pour coup de main d'œuvre et puis pour qualification de palier en pilote qui sont traversés en chocolat et délocalisé. Je peux se cabriner puisque moi c'est que deux bagages que monsieur l'administration républicaine pas le faire, c'est probablement à travers taxe douanière pour l'augmenter pour entreprise sous café production. Une production non délocalisable obligé de faire aux États-Unis pour les marchés américains. Ça veut dire que pas monter taxe pour des sortes questions entreprises ou à produire aux États-Unis. Si le marché américain vient, on va décourager. Bon, c'est ça, peut-être la Chine suppose repenser, y compris pour Cuba. Alors, nous avons un risque pour Cuba, mais tout. Parce que l'administration républicaine, je comprends, c'est les classes populaires, en fait, les ouvriers, que bah, pour la justice. Donc, pour la justice, il faudrait qu'elle a rapatrié cette entreprise de moins de qualification. Et il faut nous parler de relations haïtiennes. Ah oui, c'est très important. Avec les rivales, ah oui, c'est très important. Les États-Unis, ils ne pas tellement ça. Bon, et ça qui arrive avec Fidel Castro, Raoul Tou, aussi frère Yoye, c'est quand même ça qui arrive avec Hugo Chavez, parce que pas oublier que Hugo Chavez a des rapports particuliers avec Haïti, je vais te remettre l'histoire, hein, etc. Même avec Fidel Castro, je dis par un haïtien, je suis grandi milieu haïtien, l'autre bois, le groupe de canaux haïtiens, etc. Tous les bénéfices que Noirs Cubains ont tiré de l'évolution haïtienne ont bénéficié. Et puis, dirigeant ça, et il y a le sens de l'histoire. Et c'est bagaille qui vivait dirigeant par nous, et qui démontre terre à terre. Alors que le monde, ça reconnaît, ça Haïti représenté dans l'histoire de l'humanité. C'est Haïti qui baille aux droits de l'homme. Et français ou américain, leur caractère universel. Et Fidel Castro était considéré ça le Haïti important, ce qu'il était même genre avec Hugo Chavez. Bon, Cuba, non, période, elle connaît des moments difficiles de toute façon, parce que l'on a préadapté aussi, c'est un bail qui est facile. Et l'on prend Venezuela qui prend dans sale brin, opportunité qu'elle nous déjeune, est-ce qu'elle a continué à joindre? Parce que nous comptons dans son Haïti, les nouvelles opportunités. Pour nous, et c'est la manne du ciel, c'est bagaille qui tombe, qui a toujours tombé, nous par contre pour nous saisir l'opportunité. Parce que tout ça n'a pas dit de Cuba, c'est parce que Fidel Castro, avec l'équipe, il y a des saisir l'opportunité. Donc c'est sûr que Haïti a toujours existé, pays a toujours existé, mais en fonction du type de dirigeant qui est au pouvoir, eh bien, il y a des opportunités et qui est capable d'augmenter, qui est capable de diminuer. Mm-hmm. Et de toute façon, c'est pas la capacité nous pour l'adapter à nouvelle conjoncture là. Et c'est une bagaille qui n'a pas tiré attention nous. C'est que tout contexte, c'est Weber qui dit, il y a des contraintes et des opportunités. C'est capacité pour contourner les contraintes, pour saisir les opportunités. Et c'est là que tu as dit, le problème, c'est avant tout en question de leadership politique. Nous sommes à Cuba, nous sommes en République dominicaine, et Haïti lui-même, nous sommes toujours dans quelques camionnettes là. Richard Doré, même question. Bon, moi je crois que ça arrive là, les dirigeants cubains sont obligés de prendre des dispositions pour
l'immigration est venue. En fait, la finalité politique, c'est assurer le bonheur de la société. Donc, je pense que les dirigeants ont une certaine clairvoyance en fonction des contextes plus adaptés. C'est vrai que le contexte n'est pas tout facile, surtout avec une nouvelle administration républicaine, démocrate, et dans le sens démocratique du terme. Et moi, je crois qu'avec Cuba, et M. Paul Louis Jadapté, M. Jadapté a des raisons dans la région, relation avec Haïti, c'est-à-dire, oublier. Et quand on a entre Cuba et Venezuela, probablement, avec le pétrocarbure, commencé à diminuer, une question ça diminue tout. Mais, et l'obligé, coopération cubaine, je pense que c'est la meilleure coopération qu'on a gagnée en pays au cours des 150 dernières années. Alors, il faut que nous disions. C'est sentimental seulement. Pas oublier qu'avec embargo, nos pays qui ont Haïti, pas l'État. Cuba profite de Haïti pour que les bagages soient acquis aux États-Unis, que les bagages soient directement, parce que nous n'avons rien du tout. Donc, quelque part, c'est une coopération bien comprise. Il est mutuellement bénéfique, parce qu'il y a des pièces détachées, il y a des bagages qui sont pas à jouer, Haïti, il y a l'État, on passe au pain, il y a rapidement, il y a tout. Bon, c'est vrai qu'il y aurait même mais en même temps. La coopération haïtienne, il bénéficie des financements vénézuéliens. Grand pile bagage qui vient faire prendre le gouvernement vénézuélien, pas qu'à bagage Cuba, il dit vous voyez, l'État haïtien, dans le type de coopération, il y a bagage. Donc, c'est un moyen tout idéologiquement pour permettre le régime d'enquête. Mais est-ce que ça va prêter si la droite arrive au pouvoir ou Venezuela commence à payer? Bah, nous-mêmes, ça coûte plus important pour nous. Ça partit de nos moyens de s'identifier pour nous agir, pour nous créer, ça me donne richesse dans le pays. Parce que ça qui est important pour nous, c'est vrai, nous avons coopéré chaque jour, nous avons raconté sur le monde. Si des matins, un régime tombe et puis tout ça, c'est le problème. Non, c'est pas ça le pays. La vie, c'est qu'à travers ça, nous avons la CAE PANON et le contrat international, le contexte, c'est les opportunités pour agir sur le contrat, pour nous porter le bonheur au niveau de la société. Richard, oui, c'est vrai, nous sommes censés régime, nous sommes censés Castro. On ne va pas dire, ça dit combien de prisonniers politiques, combien de monde qui mourit dans le Fidel Castro. Il faut une révolution extraordinaire. Il est malgré toutes 600 attaques que tu fais sous lui. 638 sur Abani, mais c'est ton dictateur, ne va dire. Et dans ce sens, il y a des questions réussite régime qui s'accrétait, c'est-à-dire plus idéologique, idéologique qu'autre chose. Nous parlons de la révolution. Lors de faire révolution, nous parlons de l'élection, et peuple voter, bon majorité qui vote pour vous, et puis et candidat qui perdant, qui a décidé de collaborer ou non. On a parlé de Barbados qui ont même entré à la vanne au 1er janvier, et puis tout le bagage qui était en bas. D'accord. Même si non au premier temps où les libéraux étaient là, mais progressivement, et Fidel Castro va mettre les libéraux de côté, etc. Son révolution qui fait, et dès pour faire révolution, eh bien, on est que bon série de catégories sociales, ils ont même victimes, même gens ont catégories sociales, et on sait des catégories sociales qui a bénéficié. Même de la bourgeoisie cubaine qui était l'aller aux États-Unis, c'est eux-mêmes. Et l'en a dit anti-castricio et à Mani n'importe qui côté. Et l'en nous dit, ce supposé le classement est mieux aller, mais où tu as gagné des ennemis de l'intérieur et Fidel Castro pas profiter pour le liquider, emprisonner, exiler, etc. Et des ennemis de l'extérieur qu'il considérait comme les États-Unis d'Amérique. Donc, lui connaît des moments difficiles. Si États-Unis balbaroua, c'est parce que lui-même il réagit tout, il nationalisait bien entrepreneur capitaliste américain, mais il saisit bien et capitaliste cubain ou tout. En politique, c'est rapport d'intérêt, c'est rapport de force, c'est rapport d'intelligence. Si on t'a dit globalement que Cuba en bénéficiait, mais privilégié Cuba, il était victime. Et là, et question emprisonnement, exilé, et question emprisonnement opposant, question torture, question exil, il était existé. Et à Cuba, même j'ai existé, on paquet de côté, c'est ton régime autoritaire. Obligé de reconnaître lui. Mais on pas qu'à comparer avec la dictature des Duvaliers. Où nous-mêmes nous assassiner mon bourrier. Parce que les Cubains ont parlé du gros système éducatif qui performe, le gros système sanitaire. Mais ou même, sous nous vont imaginer. Qui a assassiné mon bourrier ou vont raison assassiner mon bourrier? Bon, qui ça nous l'a dit? Là, nous dit assassiner mon, c'est pas fusiller seulement, non? Longtemps de, on parle du développement économique. Les gens courent, l'ordre de la Chine populaire, ou qu'à réfléchir avec, pour compter si c'est 100 millions, si c'est 200 millions de monde, qui finalement sacrifient tête pour que la Chine qu'on ait progrès qu'on ait. C'est sûr que les Cubains, c'est pas seulement les gens qui sont emprisonnés, les gens qui sont exilés, non. Et n'a parlé de monde eux-mêmes qui perd du bien, tout ça au possédé, etc., qui quitte le pays, monde ça, c'est victime de eux. Donc, développement, il y a un coup, progrès, il y a un coup. Mais c'est que nous-mêmes, les gens qui ça nous fait, monde qui mourit, des blousailles, monde qui est emprisonné, monde qui quitte le pays, même avec Cuba, nous dit nous parlons pour qui raison. C'est-à-dire, comme si développement aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas un coup. Que c'est en Chine, que c'est en Russie. Révolution française, vous connaissez des gens qui mourent. Qu'est-ce qui c'est pas Cuba qui a été guillotine. Pour la France, guillotine. Ouais, mais attention, au siècle avant la France, l'Angleterre lui-même, il coupait tête. Il ne peut pas parler de révolution, il a été coupé la donne. De l'homme et la donne. Où il y a une phase de destruction, ça.
dans phase de construction de reconstruction qui ça nous fait et c'est grave nous en Haïti le monde mouri hors de la révolution haïtienne pour nous vivre accéder à l'indépendance en 1804 mais après ça nous continue à goûter chez manger chien toujours mais qui résultat Non mais même problème même nous devons mettre accent sur son système parti unique et droit et civil politique nous pas respecter et c'est ça fait des mettons des morts dans toutes les commentaires en fait qui ça qui va le passer et après nous même nous et sont on porter musée et le positif en compte en qui va pas ça qui le faire c'est ça et Christ même ça même personnellement pas quoi et pas quoi c'est ça qui va faire donc tout ça nous barre ce jour et analyse et nous faire ceci et pas et que monde qui là et qu'on y a yo accepter et continuer sous même voie et moi nous pas et l'armée qui est plein de lui ok d'accord alors avant nous venir sur point ça nous venir sur ça tout va tout et ça me dit c'est que contrairement à ça n'a pas et Cuba avec Castro travaille pour un nouveau capitaliste à Cuba Castro parce que contrairement avec ça j'ai toujours dit Marx s'est toujours dit que pour nous vivre dans un stade communiste il dit non faut devenir un sale capitaliste et il se trouve que Cuba est à l'inverse hein il passe dans communiste à ce moment là parce que si on regarde tout élément ça ouais là la liberté moi même toujours dit la liberté doit avoir un contenu économique pas seulement un contenu politique mais un contenu politique économique moi crois que c'est vrai que alors faut situer dans le contexte et alors dans la logique castriste ou bien révolutionnaire la dictature apparaît comme la maladie primitive du développement. C'est comme ça me comprend ni. Et maintenant, une fois que Castro parle là, les acquis de la révolution, ça permet de gagner la liberté par l'exercer. Ça ne sert à rien, on sait le monde qui va gagner, puis on parle de liberté. C'est la nature qui prépare. Moi, je crois que je dis à là, il prépare les conditions pour gagner les droits fondamentaux qu'il est réprimé ou bien brimé, tout le monde d'accord sur ça. Moi, je crois que ma vie existe que millions exilés. C'est une revendication ça au café des Blosailles là. Non mais revendication ça on écoute puisque vous formez il y a une somme de brutalité qui pas faite parce que enfin tout il faut sauvegarder les acquis de la révolution ça ne sert à rien on vient avec un capitaliste et puis on n'a pas gagné soin de santé ça ne sert à rien un capitaliste et puis on pas gagné accès à l'éducation maintenant puisque vous gagnez ça vous gérer la liberté et vous croyez que c'est ça ne va jouer à Cuba c'est même pas la Cuba c'est l'Union soviétique les messieurs finissent tomber puisque monsieur très bien formé c'est qu'on y a un bon capitaliste qui a développé l'Union soviétique puisque vous gagnez toutes les conditions nécessaires pour vivre donc c'est ça qui parle de Cuba moi sur ce point maintenant besoin de des leaders visionnaires qui responsables qui comprennent le sens de l'histoire pour aller pour conduire société vers le bon port. Mais sur quoi là que ça a passé là, pays et Proche-Moyen-Orient. C'est pas même situation, parce que même dans le cas là où ici n'a pas l'air, pas oublier que même les États-Unis d'Amérique pas gain intérêt pour gagner des blousards à Cuba. L'Union soviétique effondrée, la mafia russe prend contrôle le pays. Elle dit même penseur américain. C'est un problème. Ils comprennent c'est normal que Poutine ait cassé dans et la mafia russe, parce que l'État. Ça, c'est le cas négocié. Imaginez-vous, et la mafia ou c'était pas contre la situation, et pour être deux armes que des pays pas de gain avec ça, ou gado ou des vacabons parce qu'il y a un cob, la pas acheté ça avant russe, qu'après elle fait des armes nucléaires. Ça dit, Américains ont intérêt dans la stabilité à Cuba, parce que le capitalisme lui-même, il a besoin non seulement en cadre légal, en cadre institutionnel, mais le besoin de stabilité politique. En aucune façon, Américains ne peuvent souhaiter que Cuba t'a vienne dans la même situation qu'Haïti. Et l'ordre de l'armée cubaine, pas oublier que le régime n'a été opposé sur l'armée d'eau. Le parti communiste, soit dit, son système de parti, et c'est ça qui vient en Haïti, nous parlons système de parti, nous pas institutionnaliser le système politique là. Cuba, pas dans la situation ça, il y a un système de parti, même si son parti est unique. Koulia, ou capable de poser problème comment le pluralisme politique là pourrait le développer. Comment le multipartisme pourrait le fonctionner à Cuba, là où non dynamique, et dirigeant cubain, il est suffisamment avisé pour qu'on connaître graduellement. Comment question ça fait et les États-Unis qui ont intérêt là-dedans. Même pas si ça fait même genre avec Chili sauver. Après Pinochet, écoute, les élites chiliennes étaient d'accord pour progressivement transformer le pays en vision démocratique sans déblosaille. Et mon impression, c'est même pas là que pas fait à Cuba. Voilà. Mais maintenant, c'est des systèmes différents, même pas c'est même parce qu'il y a une leçon de l'Amérique latine qui a tiré de ça. Ok, on a pris de garder. ça va passer là. Est-ce que nous avons raison, j'en vision nous de questions. En tout cas, Cuba après Fidel Castro. Et dans Vinlais, j'aime bien nous accorder violon, nous, tout bas, m'espérer continuer l'émission même bien, parce que là, nous allons parler de l'élection. Haïtienne, c'est ma compte dans combien de temps là, et le président CVP a dit pas gaffe dans la nuit, et c'est après-midi à là, il y a pas le bail et résultat. Question pour professeur Sauveur Pierre-Étienne.
qui j'en la paix là. Donc qui j'en la paix et quand la paix a travaillé pour la paix, pour la stabilité politique. Et son camp qui a une vision, qui a un programme, et c'est une coalition politique des forces vives de la nation haïtienne, qui lui-même dit, eh bien, au pouvoir, mais ça nous va le faire pour nous retirer Haïti dans sa lié là. Parce que toute réflexion que tu as fait sur Cuba, il n'y a pas de système éducatif, de système sanitaire, etc., de main-d'œuvre qui qualifié. Mais bagaille, c'est pas dans le ciel, il est sorti, non, il est tombé sous tête, non. Ça veut dire qu'il y a des dirigeants qui pensent l'État, qui pensent la nation, qui pensent le développement. Et c'est ça qu'on a fait naturellement. Et nous-mêmes, nous faisons offre politique sérieuse. Et mais c'est et le souverain, le citoyen qui vient pour l'apprécier offre politique noire. Et pour le dire, s'il préférait, à un lot offre politique. Et c'est ça qui est passé le 20 novembre. Eh bien, et peuple a voté. Et nous espérons que conditions dans lesquelles vote sa fête. Non seulement le respecter constitution, le respecter décret électoral là, et nous gagnons un représentant dans le centre de tabulation qui rapportait nous gagnons problème, et nous commençons à analyser problème avec une batterie d'avocats, et nous-mêmes nous t'as souhaité que, eh bien, résultat bail, c'est pas élection Champouel, parce que question minuit, hein, vraiment, on va tomber dans Champouel, vrai. Nous t'as souhaité que élection bail gros journée, parce que, et conseiller électoral, et ici dans le centre de tabulation, ils ont fait exactement ça pour faire de façon telle que eh bien, résultat de l'élection ça a reflété le verdict des urnes, la volonté du souverain. Mais là, on va aller à minuit, hein. C'est pour permettre de rentrer la caillou, parce que même pas les monde fait peur. Mais et, bah, on a sous des informations autour, parce que dans la nuit, il pas de douce pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des tirs nourris, barricades, des monde qui déjà a préparé. Là. Bon, alors c'est nous pays, alors c'est degré de sous-développement pays. Sur société de précarité, n'importe monde capable de venir de trois bandes ou faire des ordres. Et puis c'est question rumeur. Naturellement, quand pile, on t'a dit exaction même qui fait. Et gain côté débrouillement pour confiner et puis gain monde qui a bail résultat. Hein? Et actuellement moi gagner et dirigeant on grande firme de télécommunication qui vient pour répondre devant et commissaire gouvernement pour résultat que le tab bail etc. Où t'es ouais ça ou lit ça et, parce que c'est au conditionnel lui gain pile problème gain pile problème même quoi que la justice non mais la ça c'est même m'a cherché well oui bah j'aime dit Gisèle bah résultat est-ce que gain problème parce que si commissaire gouvernement convoqué et monsieur conditionnel limité l'état oui, et bien l'attendé li et n'a pas connait qui ça cap sorti dans l'elfin auditionné li nous même qui ça nous voulait dire par là élection pour qui sont organisées et c'est Robert Dahl qui dit un grand politologue américain il dit c'est une plus grande découverte sociale qui est réalisée dans toute l'histoire de l'humanité côté où l'élection parti qui n'a opposition a même possibilité pour lui gagner élection avec équipe qui est au pouvoir nous voyons ça qui s'est passé entre Donald Trump et Hillary Clinton et bien ça nous est capable de dire la question ça à nous mêmes c'est que soudain des moun a tiré zam moun pa dormi moun a boule caoutchouc moun a vi piqué difé moun a parlé de déchoucage c'est que moun sa yo pas comprendre rien dans sa yo les démocraties parce que nous accepter principe que gen des conditions légales institutionnelles qui doit réunir pour citoyen choisir librement mais doit pas d'accord à choix citoyen mais m'obliger à accepter là. Le peuple a le droit de se tromper. Puis grand intellectuel, Heidegger trompé, l'idée appuyé nazi, Benedetto Croce en Italie, appuyé Mussolini, peuple a le droit de tromper. Mais ça qui pas bon, qui est inacceptable, c'est si des monde qui t'a entré dans une dynamique comme si pour truquer l'élection, pour voler l'élection, et là encore, constitution hein, lui-même, il établit mécanisme pour gérer les questions, et décret électoral là, établit mécanisme pour gérer les questions, sans qu'on pas besoin de tirer fusil. Faut-il en mettre, et Guichard, question là, est-ce que dans la personne nous serons? Ah non, nous cool. Nous cool, voilà l'élection. Tout le monde connaît, tout le monde ouais qui est-ce qui est candidat, qui est-ce qui pas candidat, qui est candidat qui a un rôle de figurant, et qui candidat non seulement qui fait campagne, qui prend les moyens pour gagner l'élection, hein, mais comme ce n'est pas à moi qui c'est pas dans la guerre, il gagne pas dépendre de vous, en dernière instance. C'est citoyen avec bulletin de vote qui a décidé qui est-ce qui gagne. Est-ce que dans le moment où on a parlé là, ça dit tout candidat ou par contre ça gagne, ça perdu? Parce que le débat que j'ai fait là, c'est un faux débat. A fait abdi et procès verbal, moun qui bat résultat. Ça... Ou gen procès verbal, non? Sauf bémol nous capable de mettre c'est dans le cas où CEP a fond épuration. Ça caractérise tout processus électoral démocratique, c'est l'incertitude. C'est ça que le Salvador Allende gagnait
élection au Chili 1970-1971, eh bien, le journal El Mercurio était étonné parce que ce n'est pas un bail qui était pensable. Eh bien, il y arrivait que c'est AND qui était gagné. Et ça, il va à la démocratie. Je me songeais dans l'émission de Yahweh. Tout le monde pratiquement te dit Donald Trump plutôt capitulé. Or, dans type dans l'élection en général, il faut connaître le taux d'indécis, le pourcentage d'indécis. Mm-hmm. Et en dernière instance, c'est indécis qui décide. Et dans le cas pas nous, si ou ta ouais, c'est ça qui fait que monde qui crie victoire, monde pétéri. Parce que soit dans l'élection, même côté ou gagné, ou capable de sentir ou bien positionné, mm-hmm. ou capable de sentir tendance vote là. Mais en dernière instance, c'est institution électorale là qui a dit qu'il y a signé. D'accord, mais il y a un mot, ou qu'a comptabilisé, du coup, on va gagner. Non, nous. C'est ça, les ouvriers là, du coup, il y a là, ou attend CEP qui bat résultat, c'est peut-être samedi. Ok, on a comme journaliste, pour qu'on aura cool là, depuis, je me dis, donnez-moi, c'est que, et nous gagnons un département, et côté nous, pas deuxième. Et nous troisième, gain commune nous gain là-dedans, nous gain procès verbal. Mais on connaît sous pas premier ou pas deuxième ou pas procès verbal. C'est le nord. Mm-hmm. Pour tout l'autre département qui était côté ne pas premier ni deuxième. OK. Combien c'est seulement capable. Combien département nous gain? Nous par exemple moi sud-est là gain. Excusez-moi, en tout cas dans le procès verbal. Bon, mais ben, pour bagarre m'a dit les commissaires dans ton léger lot, moi même pas parler défendre nous. Non. Seul ça me garde. Même la paix tout procès verbal. Bien sud-est. Nous capable de sud-est, tout le monde connaît, c'est fier vite Célestin. Gain la Tibonite, et il s'est rempli, quoi que nous appelons, il s'est serré, et gagné l'ENIP, il s'est serré, on croit nous avons gagné, et côté, on l'autre candidat a devant nous, et marge là, et il est très serré, donc nous très confiants. Ça veut dire que ça là pour l'instant, pas de débat sur le sud-est. Seul, non, c'est pas sur le sud-est. Ça me l'a dit, là, il y a un autre problème qui va le poser. Ces problèmes, monde qui votait et moi saisi ouais un socio professionnel de haut niveau un avocat qui dit que le voter et puis mon bureau de vote il dit il met aller pas besoin signer là n'a respecté décret électoral là et toute bagarre fait Jean décret électoral là tu prévois pour faire bon d'accord ça après résultat. Ah oui, c'est ça nous tout. Batterie d'avocat nous parler, donc nous-mêmes nous préparer nous. Après le PHTK là, on a pas la voix de Guichard Doré. Bon, c'est stratégique, hein. Moi, t'as dit que élection. Mais qui sorti moi, question est de salé. Bon oui, non. Bon, ça dit que t'es gagné en campagne qui fait, donc monde qui était dans l'élection qui fait 5 tours déjà. Donc ça te permet de lire une possibilité, M. Jovenel Moïse, pour aller dans chaque section communale, dans chaque ville, dans chaque commune et puis tout département pays. Donc ça te permet de aller visiter les gens dans la diaspora. Contrairement à ça, mon pensée, mon diaspora a une influence sur votre parce que vous avez un petit cousin, une famille qui a dit sensibiliser pour voter. Donc il fait près 20 mois. A fait campagne, son campagne qui était très longue. Je pense que la population comprenne que M. Jovenel Moïse, gon groupe l'année dernière, il y a élection, gon groupe qui sortit dans la rue, qui dit élection, c'était élection zombie. Donc, bon, la population haïtienne n'a pas même fait mon abus. Si on a leçon pour nous tirer, c'est ça. Et son père. Pas un résultat pour nous tirer enseignement. Non, nous avons tiré enseignement, on ne va pas bailler résultat. Mais même d'où, écoute, le sentiment collectif, nous avons fait, dit que l'élection est de niveau là-dedans. Il y a les conditions objectives et les conditions subjectives. Probablement, les conditions objectives, nous allons parler de ça pour le conseil électoral là, qui va bailler résultat plus tard. Même si toute partie, les grands partis, on connaît, on a un nombre de serveurs balayés. Par exemple, nous-mêmes, dans le PHTK, nous avons plus que 10 000 pour serveurs balayés déjà. Si vous avez 10 000 pour ces verbes, il a dit qu'en pile département, vous avez un deuxième dans l'autre. Donc il a dit qu'on a 10 000 pour ces verbes, plus de 10 000 pour ces verbes. Nous faisons comparaison à ça que vous citez. Bien sûr. Et heureusement, le conseil électoral, là, moi, c'est sûr d'être son félicitation. Et pour le conseil là, il mettait en transparence qu'il fait. Moi, personnellement, je suis obligé d'aller dans cette tabulation. Je suis obligé d'aller dans cette tabulation. Mais comme que bay parti aux possibilités pour voir des observateurs pour aller gonjou me fait la relève c'est équipe de PHTK malé mon ouais c'est des jeunes qui travaillent et gon système ça me dit caméra a une possibilité pour faire quoi que ce soit pour faire travailler ou certaines professionnalisme souhaiter que cap refléter effectivement dans résultat par le bayo donc nous croyons que jodi à la PIA nous fait 20 mois n'a fait élection gon certaines attentistes qui fait et cap qui n'ont observé en matière d'investissement dans le pays, il n'y a pas qu'à faire un peu de temps. Et nous croyons que la population a voté, tout le monde, dans quelle soit la section communale, ou qu'on est qui gagne dans la section communale, peut-être
on doit pas gagner sous dans section communale, cinquième section, on doit pas connaître pour toute commune, mais dans section pour là. Or, comme élection d'aujourd'hui, le vote est local, l'élection est nationale. Donc, si ou ka faire addition, tout bas ou additionner tout ça, on connaît qui moun qui devant, qui moun qui derrière, qui moun qui cinquième, qui moun qui premier, ou bien qui moun qui gagne premier, tout. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, là, ça pour l'entendre, nous besoin de stabilité dans le pays. Pays à son pays qui est dans une situation un peu difficile. Nous avons un paquet de monde dans la population qui pas travailler. Nous avons un paquet de jeunes qui besoin des ouvertures en termes de formation, formation professionnelle et formation universitaire. Il y a qui besoin de l'école, nous besoin de réformer le système éducatif. Nous besoin de penser le développement du pays. Parce que nous faisons plus que 3 ans là, nous en question élection, nous pas réfléchir suffisamment sur les conditions essentielles que la population entend de nous pour améliorer les conditions de vie. Moi, quoi, je dis à la, pita, faut tout le monde qui est calme, il y a bon résultat élection. Si il y a un monde qui perd, il faut accepter qu'il perd. Parce que l'élection, tout le monde va pas gagner, sinon on n'a pas besoin de faire. Si il y a un monde qui gagne, c'est avec un monde qui gagne pour monter là une certaine de hauteur, grandeur pour travailler avec moi, un paquet de monde dans le pays. Puis moi, je dis en Haïti, pas grand parti qui gagne monopole de la compétence. C'est-à-dire que vous avez besoin en cadre, c'est peut-être dans la paix mal chercher, ou bien dans OPL, ou bien dans qui ne pourquoi pas famille la valasse. Donc, pays, ça, je dis là, il faut que nous comprenions, je dis pays pour nous mettre les noms, rad, ordre de travail, mettre pays en ordre de développement, parce que Haïti, qu'on le veut, même pas, mais tout est à parler, c'est comme si, depuis à parler Haïti, son bail qui mal. Pour qui ça, nous pas faire une grande chose comme Père Fondateur, nous on a fait l'indépendance, on fait beaucoup de choses dans le pays, tout le temps, nous toujours, nous avons grimaçant sur l'élection. Moi, quoi, je dis, il faut tourner la page, parce que pays, il faut nous penser, pays, il faut nous voir ça qui est bon. Parce que, in fine, ça nous besoin, moun ka fait politique. C'est améliorer les conditions, moun. C'est pas faire menace au moun, pour dire pas le tuer, brûler, bailler, ou ça. Non, non, non. Sinon, vous faites pas la politique. La politique, son barrière, ou ce qu'on sauve, toujours dit, son jeu d'acteur. Elle dit que, ou il veut, non, bah, là, vous, bon, quand il vaut perdu, ben, ok, d'accord, pourquoi pas. Parce qu'il faut être élégant dans la défaite. Parce que c'est très important en démocratie, où est-ce que ça passe avec Clinton, avec Bush, il perd l'écrit, il dit, ok, d'accord, c'est perdu, ok, d'accord, ou c'est perdu. Le fait qu'on perde une élection, pas qu'on perde en politique pour autant. Non, non, dit tout pas. Parce que la politique est tellement dynamique. Ça dépend de la fête pour qu'on ressuscite. Donc, moi, je crois que je dis à ça qui est important pour nous. Nous avons un paquet d'organisations de 86 à je dis à qui mérite pour renforcer les structures de société civile. Moi, je crois que ça beaucoup. Parce que l'État n'a pas fait des bagages à faire. L'État a obligé de faire un partenariat en série de monde aussi à civil pour organiser pour nous aller de l'avant. Parce que nous faisons très bien. Nous sacrifions une génération déjà. Il faut éviter de sacrifier notre génération. Ça veut dire que nous avons qui discute de gain parce qu'on élection 20 ans de population élection alors que le bagage essentiel pour nous faire et bon comme on se parlait tout à l'heure ça de la voie procédurière bon c'est la démocratie mais quand si vous reconnaître que vous perdez tout vous gagnez pour que tant mieux mais si vous perdez tout faut reconnaître que pays a tout faut que nous ballons en douceur pour la question développement parce que moi même sentiment mais son on doit non, oui non non la contestation c'est mesure de la non soumission mais ce qui est important là en démocratie faut contestation pour contester. Quel est le bénéfice? Parfois, on ne peut pas le contester politiquement. Parce qu'on a été des plumes. Ah, très important. Parce que ça, c'est la consistance dans le discours, c'est la consistance de la pratique politique, c'est la consistance de la vision qu'on a pour le pays. Parce qu'après, c'est quand il y aura des élections. Je ne sais pas. Parce que comme tout le monde qui comprend, c'est que quand on vote qui vote, mais toute population quand le monde qui gagne l'élection. Hein. Mm-hmm. C'est vrai que, objectivement, la loi électorale a interdit pour le résultat. Mais si elle est comme si on la mettait toute là, on va le garder, on va comptabiliser. Bon, si on n'a pas les droits à gagner, monde qui vote ou pas. Mais écoutez, mais population dans sa subjectivité. Non, il faut des gens qui gagnent l'élection. Souvent dans cette opinion là, n'importe qui. Non, mais ok, d'accord. Avant qu'on s'électoire là, mais on connaît tout. Mais ça, monsieur, dit arrive là, la contestation va nécessaire. Est-ce que ça? Non, non, attendez. Alors, Guichard Doré, c'est lui-même qui est plus équilibré dans porte-parole et tête caléo. Parce que moi, il y a plusieurs porte-parole qui relèvent moins que nous-mêmes la peine nous voler l'élection. Non, mais déjà, c'est Renaud Georges et tant d'autres qui disent Rivo, il ne peut pas accepter de voler l'élection. Non, mais on nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça du tout. Parce que nous n'avons pas de résultat à l'élection. Nous n'avons pas qu'on voler l'élection. Non, mais non. Donc, il y a fini de crier victoire dans le premier temps. Il y aurait les mêmes à voler l'élection. Non, mais Renaud Georges même dit qu'il y a un blackout qui baise. Nous, il y a un blackout là. Il y a 20 machines qui sortent par les national. Donc, finalement, il a dit. La démocratie. Alors, monsieur dans tête calée, monsieur te dit le gain, monsieur relé qu'il perdu finalement et qu'il nous volait l'élection. Nous pas volé l'élection dans mes personnes. Il est dit perdu. Oui, il dit nous voler. L'homme nous volait dans mon, c'est gros perdu. Sous le téléphone, nous volait dans mon, perdu le téléphone. Qui va faire déclaration ça?
Renaud George. De George, il ne dit pas jamais ça. Il dit que le gagné non premier temps, mais il dit que la paix volait l'élection. Non, il dit que grand blackout suspect, il questionnel. Blackout suspect. Oui. Il sentit que nous volait l'élection. Non, même on nous même nous pas gagné pour voler. D'ailleurs, nous pour aucun résultat. Bah, qu'on qui monte volait. Nous même nous qui a posé problème, qui t'a gagné dans l'élection. Donc éviter la contestation de la contestation. C'est ça qui est le sac fondamental pour nous. C'est que forcer EPA à proclamer résultat yo, et nous-mêmes en fonction de ces résultats au sorti eh bien n'a bien pour nous positionner mais l'on on baron et tête calé là moi nous voler l'élection dans mon mais yo pas ouais résultat élection approche nous jusqu'à présent pas quoi président conseil électoral la résultat élection comment yo voler là mais qui mon yo voler qui est-ce qui voler même moi candidat nous en juste gétant sorti une note tout est souhaité oui sous question vérification ça veut dire des contraires à décret non mais ça est normal il a attiré attention membre CEPA sous ça parce que gon série de procès-verbaux il y a metté à l'écran et il y aurait problème tout le monde n'a bien n'a bien loisir n'a bien l'opportunité pour faire après résultat mais ça pas empêcher nous anticiper parce que toute ça la loi pas interdit et il permet il y a pas dit nous pas gain droit tirer attention conseil si décret électoral a te dit attention non mais nous te souhaiter au camper résultat puis au faire non pour non nuance non c'est pas camper résultat non pendant eh bien il y a tabulé et voilà pour yo capable observer que gon ensemble de procès-verbaux qui gen problème d'ailleurs yo te metté quelques 23% à l'écart et gen moun gen dans sa de tabulation qui pas représenter la paix qui a dit que gen problème nous même nous prenons note de toute question ça yo avec batterie d'avocat nous en façon que n'a pas tant de résultats à proclamer pour nous connaître si c'est nous même qui a bien pour contester ou bien tête calé qui a pris pour contester nous. C'est ça question. Le directeur adjoint centre tabulation Grégory Hiller et vendredi dernier, il a annoncé que sous 22% et procès verbaux que il a fait vérifier vérification approfondie, il y a deux tiers qui ont été en quarantaine et l'autre tiers là, ils ont comptabilisé. C'est des débats normaux, l'homme dit normal. Là, c'est des débats qui vous faites toujours gagner pour savoir le mettre en quarantaine. Les conseils là, il n'est pas sûr de eux. Et pas conseils là, non, techniciens. Les conseils là, vous gagnez, non, mais là, c'est tant calcul la fête et puis c'est directeur centre de tabulation, il y directeur exécutif là, et puis directeur exécutif là, le président CEPA, et puis on est bali. En principe, c'est ça le fait, par contre il a changé. Bon, nous même dans la peine, nous faisons politique de manière moderne. Sous les gens, ça compte passer aux États-Unis ou bien en France, l'autre côté. Après, c'est nous parler de batterie d'avocat. Hein? Donc, nous prenons note, il y a des informations qui sont sorties, il y a des bagages, des rumeurs, il y a des bagages, nous cherchons à vérifier. Et c'est sous base ça, nous avons monté le dossier nous, pour nous connaître si c'est nous même dans la paix qui a bien pour contester tête calée ou bien si c'est tête calée qui a bien pour protester nous. Mais nous pas dit qui ça va le passer, c'est résultat qui a dit qui ça va le passer. Si on ça aller ça dit ou non ou seul coup de clé à tout. Bon dedans de non seul coup de clé des résultats madame de dire on va parler donc grain coup de clé. Non ou même ou de dire on a ils sont avec. Non yo yo donc seul même de grain coup de clé. Alors des résultats madame alors de parler de seul coup de clé et puis gon on clé bois. Alors on clé gon bagarre la donne. Par exemple non c'est un bouton de ouais clé faut pas jamais forcer j'ai clé à bien des pour forcer pas forcer ou bien le foirer ou bien le casser et moi depuis quelque temps et peut-être qu'à l'abril en moi nous voler l'élection mais je suspecte clair non non bah j'aime dire ça mais professeur m'attendre pas aller de seul coup clair parce que m'pas connait combien fois de répéter ça avec dans l'émission attendez dans procès verbaux nous gagne en main nous combien gagne dans mon toi t'adorer qui t'aime faire job là pas faire dans place même dans procès verbaux nous gagne en main nous yo les nous garder yo nous dit que gon département nous vient en troisième position c'est le nord dans l'autre département au côté ne pas premier ni deuxième et nous dit en pile côté bah il est serré donc une impression et clé tête calée a cassé vraiment pas bon seul coup de clé donc puis ça sans doute pour algon confrontation nous pensons que pour algon confrontation dans deuxième tour côté tout le monde va l'obliger choisir quand OK. Bon, on va comprendre nos ouvres. Ou t'es gagné deuxième tour ou on va aller la dernière. Mais qu'on y aura revendiqué un deuxième tour. Il y aura pas de deuxième tour. Non, pas revendiqué, c'est pas pour qu'on ait si à bien c'est pas le résultat yo. Ça veut dire tout à l'heure il y a un bagage nous pas on pas ensemble nous pensons. L'année dernière des grand deuxième tour. Ou refuser dans deuxième tour. Qu'on y aura revendiqué deuxième tour. Non même les jeunes n'ont pas le risque dans l'élection n'ont lancé l'opération deuxième tour. Elle a dit pour nous de faire premier tour déjà. Donc son seul coup de clic fait là je dis. Bah maman bon comme anti déformation. PHTK à travers cette tabulation pas non. Nous recevoir 10 800 procès verbaux. Elle a dit non là soit nous premier ou deuxième là dans sous total qui conseil électoral a supposé recevoir de 11 993. Donc si nous canon niveau ça, nous très largement et m'a dit et gain document nan men nou nécessaire pour nou travail
ça qui est important aujourd'hui, non, on garde ce qui est politique, nous parlons mettre en œuvre, comme on parle dire pays. Je pense que c'est ça qui est important. Je vais y attendre résultat. Nous-mêmes, tout, on a fait calcul, nous-mêmes, parler avec. Sans détabulation, nous a fonctionné très bien. Et nous avons pile pour ces verbes, mais nous, moi, dis seul côté. Dans le nord, il y a plusieurs communes nous gagnent pour ces verbes dans nous, mais pour la majorité des communes, nous ne gagnons pas parce que nous venons en troisième position. Nous gagnons pour ces verbes tout l'autre département dans nous, et sans détabulation, nous avons fonctionné. Vous dites, cool, est-ce que vous avez confiance tout au niveau de la paix? Pour qui ça, quel que soit le monde qui nous avons affronté dans le deuxième tour, là, nous avons travaillé pour affronter victorieusement. Ou au deuxième tour. Ça veut dire pour ces verbes nous dans nous, moi, dit côté nous pas tout. Pour le département, nous n'avons pas tout, mais nous avons pour quelques communes dans le département nord là quand même. Mais nous n'avons pas tout. Après ça, nous avons quel que soit le département, si nous pas premier, deuxième. Ok, question pour Doré. Pour qui ça est au niveau de PHK, et pratiquement tout de suite après et résultat, et nous avons dit que nous gagnons, nous publions, nous faisons. Ça passe. C'est la technologie. À travers le mandat, nous avons supervisé, nous avons un système informatique. Avant même de porter ça me donne les versions papier à banou pour voir information à banou vous voyez et puis ça en fait système informatique là générer faire gestion automatique là nous connaît comment nous parce que tout le monde connaît combien vous savez pour vous gagner dans pays là nous connaît combien candidats encore à côté nous gagner c'est vrai que côté nous pas nous si gon commune nous pas gagner là-dedans nous pas gagner mais nous ca évaluer mais comme nous connaît combien nombre de vous savez normal pour te gagner et nous connaît combien nous gagner nous ca positionner nous ça c'est clair pour nous mais ça qui est important pour moi aujourd'hui c'est que moi crois que professeur Sauvé Pierre-Étienne mettait le nom pour aussi l'année dernière il était en deuxième tour pour l'aller aujourd'hui la revendiquer deuxième tour son bac pas comprendre logique ça l'année dernière il était en deuxième tour là non il était en deuxième tour 2015 pas 2016 non mais il était en deuxième tour l'année dernière quand il a la revendiquer en deuxième tour qui pas existé nous attendons pas l'année dernière c'est passé alors ça me capable dit m'observer là moi comme journaliste ou tout madame Bonhomme c'est que président CEP a dit pour qu'on ait résultat en amène, Guichado et Gain, ça ne suspecte pas qu'il y ait un problème. Professeur, on ne parle pas. Non, mais résultat, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. La liste dit que il n'y a pas de bail, il n'y a pas de Léopold Bélanger résoudre la question depuis la publique. Et la publique, ou qu'on a diffusé, mais seulement, il faut être assez honnête pour dire que c'est ça que sous site là, ce n'est pas résultat que ou bail et que capable de modification parce que il y a mettre en quarantaine des professeurs bon, pour finir et puis tout le monde a parlé en pilier bon des mots clairs qu'on s'en sort faire ou qu'on ait agi de façon professionnelle et puis ou pas quitter mon palais professeur ok au niveau de la paix et bon et si nous perdons l'élection en premier tour et c'est deux cas de figure possible alors on dit que trois cas de figure possible nous capables de perdre dans le premier tour, selon le peuple a voté. Nous capables de gagner dès le premier tour, son grand coup de clé. Et ça a brivé que on l'autre cas de figure qui sont au deuxième tour. C'est-à-dire, une fois qu'on a dans l'élection, si c'est élection liée, eh bien, on a parlé en termes de conditions de possibilité. Trois cas de figure, ça est possible. D'accord. Et oui. C'est ça, on a travaillé. Même bon, une là, ça a, oui. Ça a passé parce que si nous, bon, élection, j'en ai passé 2015 ans, nous venons en 2016 et que là, nous avons perdu dans le premier tour. Procès verbal, nous gagnons, mais nous pas dire ça. Pas dire ça. Combien vous gagnez? Dans quatre là, les là le voter, c'est pas grave, il va pas écrire Marie-Louis c'est bon non. Mais en même temps tout, si c'est empreinte digitale li moi, là me dit qu'il est alphabétisé, si moi là le fait pas s'il écrit non parce que là faut et c'est problème ça n'a discuté oui parce que gagne des bagailles puis devant là qu'on est. Ça est sur là qu'a fait là. Et sur là là. Moi pas quoi doré avant dans ça. Allons sur là. Non, pas fait ça. Il y a des professionnels qui viennent qui vont expertiser un peu petit
en bon pays dans Caraïbes là et dans l'Amérique latine tout moi je préfère nous respecter lui parce que il finit les gars haïtiens tout qui fait même travail là dans d'autres pays non on a fini mais ben me retourner sous question là parce que le grand groupe qui déjà écrit ouais bon il y a des monde qui écrit Victor juste pas parler de ça là nous son choix me fait comme citoyen comme journaliste mais m'en parler PHTK là et si on dit nous déjà nous dit nous gain victoire ça dit population ça dit mon t'a soutenu nous déjà dit nous gagné est-ce que nous pas dit qui problème ça qu'a posé si conseil là il ba un autre résultat mais conseil là pas qu'a ba un autre résultat non c'est non sous pas on seul coup clair mien là non non mais écoutez conseil là supposé dit le rôle du conseil électoral c'est d'officialiser le vote des citoyens oui mais gon travail conseil c'est seulement ça pour faire tout à l'heure mais gon travail CEP a fait que nous mêmes la PHK nous pas qu'à faire quoi c'est sous décret là c'est juger que un procès verbal li bon ou pas bon on connaît pas ouais dans PHK parce que on dit non c'est un procès verbal mais non tout à l'heure tout à l'heure ouais PHK son parti modèle. Alors, ma cité d'un débat, qui me raconté il y a un mois à l'hôtel Oasis, mais dans la cité Noni, je me suis dit, alors c'est pour qui pour PHTK du tout. Mais il dit que lui reconnaître son parti modèle au niveau de la communication, au niveau de la stratégie, au niveau de la machine et partisane. C'est-à-dire parti comme un organisme. Moun kap fè okipe da fè eleksyon pou nou son spesyalist. Chak moun nan PHTK, militant kap fè travay la son moun ki spesyalist nan travay si la pose afiche pou Jovenel. Donc nou respecte kompetans tout moun. Donc c'est dit que son parti moun ka dou si nou di que nou en position pou nou remporter, c'est dit que nou konnen ça. Nou fè tout travay imaginable kou ta pense que konseil électoral la ka fè pou di on pou servir bal bon ou bien c'est pas bon. Okay. Ou comment sur ça? Mais et une bagaille que d'arme et d'orée était rationnel, j'en ai l'un d'a parlé de Cuba. Ah, rationnel là. En dernière instance, c'est le conseil électoral là qui a proclamé le résultat. Cette histoire de PHTK qui est centre d'établissement, je parle, nous n'avons pas nous tout. Nous-mêmes, nous, elle nous dit confiance en fonction de quantité de procès verbaux qu'elle a. Mais ce n'est pas nous qui avons le résultat élection. Il faut faire très attention. Non, mais nous disons ça. C'est moi sorti pour le résultat. Non, non, moi, d'où le conseil électoral n'a pas l'autre objectif que d'officialiser. Ouais, l'expression du suffrage. Il va y avoir un vote. Le vote est local, l'élection est nationale. Uh-huh. Donc, tout le monde a fait ça. Ouais, demandez là. Si moi, je suis pas le seul à faire électoral, là, c'est qu'on fait contestation. Ah oui. À ce moment-là, on fait contestation. Et puis. On fait contestation. PHTK, on fait contestation. On fait contestation. Bon, je le parie. Si c'est moi qui pose le coup de Mbappé, contestation, c'est PHTK. Alors, si PHTK qui dit en fonction de procès verbal, je suppose, si le résultat, le dialogue deuxième tour, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation. Non, ou même tout. Et même au niveau de la paix. Puisque nous-mêmes, ça nous dit, nous, que Jules Célestin, il est dans le deuxième tour. Je suppose, si on dit PHTK font un seul coup de clé, nous allons faire contestation tout. Et même que nous dans le deuxième tour, nous contestons tout pour nous voir si nous ne sommes pas un monde qui t'a fait faute tout. Si nous avons une faute, nous contestons tout. Même si c'est nous qui avons contesté tout. Ok. Ah oui. Non, ça a dit que dans le deuxième tour, nous contestons. C'est nous qui avons apprécié pour nous continuer à faire ça. Est-ce que nous allons refuser d'aller? Refuser aller dans le deuxième tour. Oui. Est-ce que la possibilité, maintenant tout possible, non, si bon on fait faute, on a demandé pour mettre l'ordre, pas par exemple, si nous avons refusé aller, comment refuser aller? Non, le fait que nous inscrivons dans le processus là, nous décidons vous-même, nous faisons offre politique sérieuse. Ça veut dire qui sont passés, vous pensez comme si PHTK avait dit nous-mêmes gens avant, on a pour finir comme nous quitter le gain dès le premier tour, nous ne pas comme ça. Vous avez fait ça? Vous avez fait nous comme? Non, il y a quelqu'un qui était dit Jude Célestin a bal 10 millions de dollars américains pour aller dans le deuxième tour. Il était dit mon yon, il a tant qu'on a qui est qui est pas le deuxième tour. Qui est ce professeur qui te fait valer ça? Eh bien, qui vous défend, parole à déballer, oui. Professeur. Non, professeur. Ah non, mais la blague longtemps, c'est pas qu'il y a. C'est pas longtemps n'a pas parlé là. Côté nous dit, il pas d'après le deuxième tour parce qu'il pas qu'on a qui est. C'est bon que je dis. Mais qui est qui est le gouvernement et le monde qui peut offrir ou qu'on comment baille ça? Ou même journaliste, faut me poser quelques questions parce qu'on comment baille ça, au fait. Non, bah quoi. De où elle la maman dit là qui servit des dollars 10 millions de dollars yo offrir qu'elle dit non pas qu'on a qui est pas l'élection c'est pas pour compliqué là où Edouard Abdou nous tenons deuxième tour nous pas aller de ça la parole oui nous pas deuxième tour parce que pas qu'on a qui est non la gueule longtemps nous toujours parler de ça elle dit 10 millions
yo offrir pour aller dans deuxième tour, yo pensé si c'est comme lui, il dit non, le pas connaître. Yes. Non, il alors dans le deuxième tour, mais pas connaître. Moi non, moi c'est tout. C'est le résultat de l'élection. Vous êtes qualifié pour deuxième tour ou refusez lui qu'on va chercher un hypothétique deuxième tour qui pas exister. Bon, c'est là nous représenter depuis gros candidat qui était gagné en termes de visibilité. C'est sûr, les nuits dans la réalité, nous aurions été transpirés comme. A dit qu'il y a quoi qui a dépensé qu'a fait. Monsieur, mon chiffre. Qu'est-ce que vous voulez, Badori avant professeur Vietten fait me signer, dit Badori dans l'avant. Sauf que c'est pas notre division. Bon, moi, pas dans le trésor, il partit. Non, mais c'est clair, vous savez, chaque monde qui est compétent. Surtout, les MDU sont une partie multifonctionnelle. Elle a dit chaque monde fait fonctionner. Faut faire un sport sous bas, ça. Moi, quand vous savez que l'élection coûte l'argent, c'est bien malheureux pour Haïti, c'est qu'on s'allie. Je me déplorer ça, peut-être probablement dans l'innovation que je vais le faire, faudrait-il que pour l'État fasse en sorte que pour chaque citoyen, pas moyen de gain, ça fait l'idée de gain pour le cas remporter l'élection. Yes. C'est le souhait. Mais pour le présent moment, c'est le pays est un pays capitaliste. Il y a un investissement pour le faire. Pour me venir dans combien de millions? Combien de millions? Je ne sais pas, je ne sais pas dans le trésor, je ne sais pas combien. Sauf que je connais pour l'élection, où les passer. Moi-même, nous connais très clairement que moi-même, c'est coordonnateur général de l'OPL. Donc, Jules Célestin, c'est candidat à la paix. Jean-Hector Anakassi, c'est ami, c'est vrai, c'est frère, moi. Nous, bien pile. Mais, je vais me fouer bouche, moi, dans cause de la paix. Je vais me demander pour me rencontrer trésorier la paix. Je ne vais pas entrer dans la question ça. Sauf que moi-même, c'est dans la campagne électorale. Mais, si vous posez une question sur la campagne électorale, je ne vais pas l'avoir. Lorsqu'entrer dans la question financement, on va obligé d'inviter. Et coordonnateur général la paix à lui-même, la garder qui type de formation le cabaou le cabaou, parce que même si c'était OPL, c'est pas moi qui trésorier OPL la relé Vasco Terno là. Okay. Donc même dans OPL, m'a pas géré question comme. Donc voir pour m'entrer dans la paix pour m'a dit et j'ai tout en Akassis parce que m'bien avec lui pour le faire trésorier avec une bonne explication sur financement campagne, m'a pas entrer dans détail ça. OK. Maman Vidino, est-ce que ça dérange? Ah mais pour pas déranger, pour qu'on limite tout. Non, pour même pas gagner. Non, même pas gagner. Honnêtement, Anna Cassis, bah on est lui, t'as supposé gagner. Frère. Et, oui, c'est frère. Même pas qu'elle dit Anna, combien de cobs, trésorier à te recevoir, non mais qui m'ont les recevoir pour financement campagne. En principe, c'est PA et bon, pas tu sens par rapport au CEP. Même qu'on green. Ou seul candidat qu'on a un bon chiffre et ou candidat qui a soutenu Jules Célestin d'ailleurs, Père Éternel, monsieur t'a dit autour de 5 millions de dollars. Début non, ça c'est dans l'élection parle. Non, ça me dit dans l'élection parle. Et l'on a regardé l'autre chose. Bon, ben, nous finira, professeur content. Et bien, à bientôt, monsieur. Mais pour les questions, faut nous faire un coup de journaliste de pour nous bailler, madame Bonhomme. Des journalistes avant. Nous pouvons étudier communication. Chaque monde n'a place. Bon, et bien, nous remercions. Et bon, j'ai noté comporté nous parce que, bon, il y a des gens qui ont la balle à voler en éclat, même. Bah, yo, c'est plus ou moins bien. Peut-être c'est parce que nous avons commencé à Cuba. Et puis, non, c'est parce que nous faisons politique de manière moderne, de manière civilisée. Et nous, ouais, qui genre de débat politique fait, que ce soit aux États-Unis et en Amérique du Nord, au Canada, en Europe. Donc, nous croyons que c'est comme ça pour nous faire politique. Tout. Question, vous les caoutchoucs, puis qui dit fait des choucages. Je ne sais pas quoi ça a gagné pour la politique. La politique n'a rien à voir avec la violence. Très bien. Et merci monsieur. Et puis on a pris rendez-vous et une fois résultat fin bail et puis pour un petit renseignement. C'est ça qui a fait nous avancer. C'est ça qui est important pour nous. Mais ou, professeur, on va faire partie de monde qui dit bon affaire Jovenel là, pas rien doit gagner ça dans l'élection même. Seul ça m'est capable de dire. Moi quand grand pile candidat qui était comme pas qu'on s'y était en 20 21, pas qu'on comment lié. Moi-même seule certitude que m'gain c'est une. Non, 18 ou bien 20 candidats qui ont participé. Naturellement, chaque monde a regardé le candidat ou la comment lié, comment le positionner. Tant que moi-même, je ne peux pas avoir aucune possibilité pour le président de la République parce que je me suis retiré candidature. Donc ça, c'est certitude qui existait. Donc, une fois que mon candidat, c'est que il y a une chance pour le gagner. Au moins, madame n'a voté pour lui, je ne sais pas. Et bien, tout le temps, non. Parce que où là, nous te font expérience là, mon candidat qui est allé. Puisque nous sommes dans le bureau, le dépouillement, on voit le faire. Et puis madame, il y a une vote. Ah, bon, garantie, je divorcé, même. Bon, ça dépend. Est-ce que madame, il est juste, technique clair. Non, l'obligé. Je suis solidaire avec. Parce qu'il est marié pour le meilleur ou pour le pire. Eh bien, merci, monsieur. Merci, Guichard Doré. Merci, professeur Sauveur Pierre-Étienne. À bientôt sur Vision 2000. Et puis, on attend les résultats. C'est moi-même qui remercie. Je salue tous les amis auditeurs. Je dis aux têtes frettes. Parce que...